Ces photos, dont certaines circulent sur Internet depuis plusieurs jours, sont pour la première fois brandies par les Américains. Elles montrent, selon le département d'État, que certains séparatistes armés dans l'est de l'Ukraine sont en fait des militaires ou des officiers du renseignement russe. Écoutez Jen Psaki, porte-parole du département d'État. Nous l'avions déjà dit publiquement de manière forte avant que ces photos n'apparaissent, avant que nous en parlions, comme illustration de notre conviction qu'il existe une connexion forte entre la Russie et les militants armés que nous avons vus dans l'est de l'Ukraine, en Crimée et ailleurs. Il ne s'agit donc que d'une preuve supplémentaire de cela. Les photos proviennent de différentes sources, agences de presse, OSCE, renseignements ukrainiens. Le commandant militaire de l'OTAN relève pour sa part le comportement très professionnel de certains hommes armés et leur équipement dernier cri.